balade lors d'un après-midi de soleil, en compagnie d'une fille trop belle, ouais, et d'une pipe dans un sublime hôtel, qu'on jette le bleu travail, qu'on s'est sur la paille ou sur une vue d'Hawaï, mais surtout qu'on brûle la maille. On vit dans le respect de la faune et la flore, qu'on élabore un mode de vie tourné d'abord sur ce qui met d'accord. Un monde où profiter des autres est un supplice, où y a pas d'injustice vu que les humains s'unissent, où plus personne ne crève la dalle, ce serait de la balle d'avoir de la peine sans faire à cheval. En fait, faudrait faire des câlins aux arbres au lieu de les couper, avant de finir sous une claque et de marbre les fosses à couper. Et une fois toutes les armes de destruction massive remplacées par les tendresses et les pulsions passives, on marchera ensemble sur la route du bonheur, en tenant la main de nos dirigeants devenus chômeurs. Non plus de voleurs, puisque la terre nous appartient, faut qu'on évacue l'horreur histoire qu'on fasse ça bien, en virant les serpents du jardin d'Éden, ensuite en essayant que chacun s'émène pour arrêter de polluer, trop fumer, torturer tout, en matant les eaux usées, j'ai trop le dégoût. Faut qu'on mette le peuple à l'assemblée, notamment pour arranger les gens qui veulent à manger. Lorsqu'on va changer pour devenir autosuffisant, on aura le paradis sur terre, ce sera trop sur kiffant. Y'a des salauds qui pensent qu'au macro et des grands malades là. Bon, faut qu'on fasse un coup de pute au macro, qu'on ouvre la cage aux oiseaux, mais la masse c'est sadomaso. Malgré tout ça, les utopies sont perçues comme des gros barjots.